Virginie Salmen, viens voir mon taf. Alice, Julien Laferrière, Ensemble Artifice. On a une plateforme, un site internet, et donc les élèves peuvent parcourir les offres de stage très courtes que les pros ont postées, et puis ils postulent à 10 offres maximum qui les intéressent. Et ensuite, l'offre à laquelle ils sont retenus, ils vont présenter leur convention de stage et ils vont faire un stage de 5 jours chez un professionnel. Alors, ça peut être un joaillier, un banquier, un avocat, un journaliste, dans tous les secteurs, un garage automobile, un agent immobilier, à peu près tout. La particularité de l'ensemble Artifice, c'est que depuis sa création, j'ai tenté de sortir la musique des salles de concert, notamment en faisant des projets autour de la nature et également en développant des projets pour les enfants, en développant un lieu en Bourgogne, dans lequel je reçois des artistes en résidence et dans lequel j'organise des stages qui touchent des amateurs. Simplon, ça forme gratuitement des demandeurs d'emploi aux métiers du numérique qui sont très recherchés comme développeurs ou data, IA, cybersécurité. Donc il y a des gens qui quittent le système scolaire, il y a des gens en reconversion, il y a des réfugiés, des personnes en situation de handicap. C'est tous des gens qui ont besoin d'une deuxième chance et qui ont du talent mais qui sont sur le carreau. Premier métier de Simplon, c'est d'aller les chercher, de les convaincre qu'ils sont capables, que le numérique c'est fait pour eux alors qu'ils n'ont pas de connaissances préalables. Et donc ils remplissent un dossier de candidature, ils font des tests pour voir s'ils sont faits pour ça ou s'ils vont s'ennuyer à mourir. Et après ils rentrent en formation et nous on trouve les boîtes derrière pour les embaucher. L'idée c'est littéralement d'ouvrir leurs horizons, donc de leur dire ça c'est possible pour toi. Et donc voilà, c'est un moment très très intéressant, très important. La troisième, c'est un moment vraiment charnière de l'orientation. Donc de leur dire à ce moment-là, pour toi c'est possible, tu peux y arriver. Voilà, un métier qui peut t'ouvrir ses portes. C'est faire confiance, c'est aider l'éclosion de choses qui sommeillent en chacun de nous. Et je pense que c'est une histoire de rencontre. Donc on a chacun un potentiel, mais c'est vrai que si on fait la bonne rencontre au bon moment, on peut sortir des choses intéressantes. Je crois, moi j'en suis persuadé qu'on a tous du potentiel, qu'il faut juste qu'on trouve son terrain de jeu. Et nous, on démontre tous les jours que des gens qui se croient pas geeks, en fait, ils peuvent devenir des professionnels du numérique.